大家好，我们今天的活动真的非常的紧凑。那我们其实早上就安排了三场讲座，我们的题目都是定在人们企业 然后最后我们请吴希德来分享他的经验。那么之后呢，我们会是前面先进行两个，就是由Olivier Manoni先生跟陈太医他们两位分享完他们的经验以后，我们会有一个大概十分钟到15分钟的休息。然后完了以后再请吴希德理事长继续他的分享。最后我们留下30分钟来进行现场的Q&A。 Bonjour à tous. Je voudrais commencer par vous remercier très sincèrement. Je suis là depuis 3 jours à peine, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps et ce séjour est un émerveillement. Je suis en particulier très touché par la gentillesse que vous témoignez envers nous et l'accueil merveilleux dont on a bénéficié jusqu'ici, et je suis sûr que ça va continuer. Je suis aussi très heureux d'entendre la langue française parler aussi bien dans un pays aussi lointain. Le français est une langue qui est en danger aujourd'hui et je voulais simplement vous remercier de continuer à l'entretenir. C'est une langue qui est très belle, qui même en France s'abîme un peu, et je l'ai entendu parler ici avec une... Il faut parler dans le micro. Voilà. Oui, là. Ça sert où, là? C'est pas assez. Oui. Est-ce que vous m'entendez mieux, là? Oui, ça y est. La langue française s'abîme en France, et j'entends ici, j'ai entendu plusieurs d'entre vous parler avec une langue qui était absolument merveilleuse, donc ça fait extraordinairement plaisir. Ça fait aussi plaisir pour un traducteur, c'est mieux ça. Voilà, ça, oui, c'est mieux pour moi aussi. C'est aussi extrêmement agréable pour un traducteur de voir que des collègues continuent à se battre dans le monde pour que les langues continuent à circuler. Parce que les langues, c'est ce qui porte les idées, c'est ce qui porte les œuvres, et que tant qu'elles circulent, il y a encore de l'espoir. Ça sera juste pour parler du deuxième mot du titre, la vocation du traducteur. Allô. La vocation du traducteur, à mon avis, c'est essentiellement de porter, comme Sisyphe, de porter des rochers en œuvres littéraires diverses. Voilà, ça marche? Ça marchait mieux avant, je crois. Ouais. Bon, on va faire comme ça. Je vais essayer de vous parler aujourd'hui de ce qui se passe en France avec la traduction depuis à peu près une quarantaine d'années. L'idée même de métier de traducteur n'est pas du tout une évidence. Attendez, on va couper de la scène parce que je ne vais pas pouvoir. Allô ? L'idée même de métier de traducteur en France n'a rien d'une évidence. La traduction a une longue histoire dans notre pays, et une longue histoire dans le monde, et en France elle est passée par toutes sortes d'étapes qui n'avaient rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui et avec ce qui nous permet de nous rassembler aujourd'hui entre professionnels issus de pays très différents et qui pratiquent aujourd'hui pratiquement le même métier. Pendant des siècles en France, la traduction a été l'affaire d'écrivains, d'érudits, qui, avec plus ou moins de liberté, adaptaient les textes en fonction de ce qu'ils pensaient être les besoins. Allô ? Non ? C'est peut-être un peu fort, là, maintenant, c'est peut-être pour ça. Allô ? Là, c'est mieux ? Oui, là, ça manque encore un peu.
En français, ça s'appelle essuyer les plâtres, ça, quand on commence une réunion et que c'est qu'on teste les... Voilà. Oui, ça, c'est bien. Vous m'entendez là où... Voilà. Jusqu'au 18e siècle, on faisait à peu près n'importe quoi en France avec la traduction. En particulier, on se permettait de rajouter des choses ou d'en couper quand on avait besoin. Il y a quelques exemples assez célèbres. Au 19e, il y a par exemple la version française du Baron de Münchhausen, de Bürger, qui est une œuvre que vous connaissez certainement, ne serait-ce que par le cinéma, avec l'adaptation qu'on en fait de Monty Python. C'est une œuvre qui a été traduite en France comme un livre pour enfants. Par Théophile Gautier, qui est un très grand écrivain, c'est une traduction absolument magnifique, mais où il a coupé tout ce qui pouvait être un peu subversif, tout ce qui concernait la politique, et encore plus tout ce qui pouvait être un peu grivois, ce qui pour la France était quand même très dommage, et en particulier il y a plusieurs scènes qui ont été complètement coupées, notamment la scène où les chevaux de Münchhausen boivent l'eau d'une rivière, parce qu'ils ont été coupés en deux à coups de canon. Et dans la version française, on a les chevaux qui boivent, et donc l'eau ressort évidemment de l'autre côté. Et dans la version de Bürger, l'arrière des chevaux, eux, s'occupent d'une manière tout à fait différente, et ça a été totalement supprimé. Il y avait ça, c'est un exemple, il y a une version du voyage en Italie de Johann Wolfgang von Goethe, qui a été traduite par la femme d'un général français au début du 19e siècle, qui a trouvé que l'œuvre n'était pas tout à fait complète et qui a rajouté un chapitre entier de sa plume. Donc il y a une édition française maintenant, qui est très rare et très recherchée, avec un chapitre que Goethe n'a jamais écrit. C'est sa traductrice qui a jugé que c'était... Ça, ce sont des exemples extrêmes, mais d'une manière générale, on se donnait beaucoup de liberté. Au XIXe siècle, la traduction a été accaparée, et c'est très bien, en France, par de très grands auteurs, qui se sont dit que, dans le cadre de leur métier d'écrivain, il leur était tout à fait possible d'aller chercher l'œuvre d'auteurs qu'eux-mêmes admiraient et de le faire passer en français en utilisant les ressources de leur art, c'est-à-dire en recréant des œuvres eux-mêmes qui respecteraient la qualité de leur travail à eux. Alors par exemple, François Victor Hugo, le fils de Victor Hugo, a traduit Shakespeare, donc des traductions qui sont très belles. Baudelaire a traduit Edgar Allan Poe. On pourrait multiplier les exemples, ça va jusqu'à André Gide qui traduit les grands auteurs russes, jusqu'à Alexandre Vialat qui traduit Kafka. Ce sont des traductions qui sont toutes absolument magnifiques, qui ont simplement un tout petit défaut, c'est qu'elles sont extraordinairement éloignées des textes d'origine. C'est-à-dire que ces auteurs considéraient que l'important, l'essence de leur travail était de recréer un texte français, de le recréer avec ce que eux savaient faire. Et donc, à la limite, la base, le texte d'origine, n'était pas extrêmement important. Il fallait que ça ressemble, simplement. C'était à peu près l'idée. Mais le style, c'était le style de Baudelaire, c'était le style de Vialat, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, la traduction de Vialat que vous avez dans la Pléiade, c'est une traduction magnifique, c'est superbe. Mais dès que vous travaillez dessus, comparé avec la version allemande, vous apercevez que c'est criblé d'erreurs énormes, et en particulier la dernière phrase du château est un contresens gigantesque, énorme, qui change pratiquement tout le sens du roman. Mais c'est très beau. Voilà. Ça a duré à peu près jusque dans les années 1950, et puis petit à petit, les auteurs se sont détournés de la traduction en France. Je ne sais pas exactement pourquoi, j'ai une hypothèse. Je pense que ce statut de passeur, c'est-à-dire un auteur qui allait chercher l'œuvre de ses collègues ailleurs que chez lui, pour les faire passer dans son pays, qui était un statut prestigieux. C'était, vous savez, le mythe du voyageur qui va chercher dans des pays lointains l'art, la culture, et qui la rapporte chez lui. C'était aussi un statut social. Et que dans les années 1950, après la Seconde Guerre mondiale, les auteurs ont considéré que leur statut social était ailleurs, et en particulier dans la politique. Et tous les grands auteurs, tous les grands écrivains de l'époque ne s'intéressent absolument plus à ce moment-là à la traduction. Un grand écrivain, que ce soit Camus, Sartre, etc., s'engage, devient politiquement engagé, et c'est là-dessus que va se situer son combat, y compris sur le plan international. Et donc, à partir de ce moment-là, les grands écrivains disparaissent totalement, en fait, de la scène de la traduction. Ils sont remplacés par des écrivains qui ne sont pas des professionnels à l'époque, qui sont beaucoup d'universitaires, de gens qui parlent très très bien la langue de départ, qui maîtrisent très bien aussi la langue française, et qui vont commencer un travail qui sera
très différent de celui qu'ont mené ces grands auteurs, évidemment. Parce qu'eux sont des très bons connaisseurs de la langue, et pour la première fois, l'idée qu'on doit être fidèle au texte d'origine va s'imposer. Ça dure à peu près une vingtaine d'années, entre les années 1950 et le début des années 1970. Et petit à petit, s'est constitué en France un corps de traducteurs, c'est-à-dire un métier. C'était la première fois que ça existait en France, depuis très longtemps, pratiquement depuis le Moyen-Âge, où on avait vu apparaître un métier de traducteur, qui était souvent lié au monastère et aux traditions religieuses. Mais pour la première fois depuis cette période, on avait des gens qui se revendiquaient comme traducteurs professionnels. Je vous ai dit que ça a paru au début des années 1970. En 1974, la conséquence logique a été la création de l'Association des traducteurs littéraires de France, qui a été la première et qui reste la seule association de professionnels en France, qui regroupait au début quelques dizaines de personnes, qui en compte aujourd'hui plus de 1100 professionnels de la traduction, et qui s'est donné tout de suite des objectifs très ambitieux, mais qui ont évolué au fil du temps. Ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, c'est comment notre métier a évolué, comment il va évoluer encore, et surtout comment l'évolution du métier a changé petit à petit la nature même de notre travail sur les textes. La première chose, ça a été de faire reconnaître l'idée que le traducteur était effectivement un professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui exerçait son métier et qui, pour exercer son métier, avait une autorité. Cette autorité, il a fallu pratiquement 4 décennies pour la définir, pour arriver à dire qu'est-ce que c'est qu'un quelqu'un qui a le droit de se réclamer traducteur, de se dire capable de faire des traductions. Ça n'a rien d'évident. Quelqu'un qui parle très bien une langue n'est pas forcément un bon traducteur, loin de là. Je connais des gens qui sont des linguistes absolument extraordinaires, qui sont totalement incapables de traduire correctement un texte parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas les techniques pour le faire, éventuellement parce qu'ils n'ont pas non plus l'esprit pour le faire. Et tout le monde sait, enfin, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais en France, les exercices qu'on fait en traduction à l'université, notamment la fameuse version, n'a rigoureusement rien à voir avec le travail de traduction. Une version, par exemple, en France, quand vous passez l'agrégation ou le CAPES, tous les concours d'enseignement, la version qu'on vous demande de faire doit notamment comporter tous les mots. Donc vous avez un texte, il faut que tous les mots soient traduits. Si un traducteur fait ça, c'est une catastrophe. Parce qu'évidemment, vous arrivez avec des textes qui sont lourds, mal écrits, et éventuellement qui peuvent même trahir l'original, parce que quand on est trop fidèle, vous le savez tous, on peut être très infidèle. Donc l'autorité universitaire en soi ne suffisait pas. Un très bon universitaire pouvait faire un très très mauvais traducteur. Et on en a eu pas mal de cas, notamment dans le domaine que je connais bien, dans le domaine allemand, il y a des grands universitaires qui ont fait des traductions mais absolument catastrophiques, mais qui pendant 20 ans, parce que c'était de grands universitaires, ont été reconnus comme tels. Dans le même temps, d'autres universitaires, qui eux avaient un vrai talent et une véritable envie de traduire, en pensant la traduction, c'est-à-dire en réfléchissant à leur métier, ont commencé eux aussi à tenter de créer des critères, des normes, qui permettaient de définir ce qu'était une traduction correcte, dans quel sens, dans quelle direction il fallait aller pour, non pas imposer, mais pour rendre naturel le fait que les traductions se fassent comme ça, puis pour le transmettre. Ça s'est fait par paliers successifs. L'association des traducteurs littéraires, déjà, a commencé par faire connaître notre métier, qui était extrêmement méconnu. Un traducteur, jusque-là, jusque dans les années 70, c'était quelqu'un qu'un éditeur recrutait pour faire une traduction ou deux, qui avait pas souvent des contrats, qui était extrêmement mal payé, qui n'avait pratiquement aucun droit de regard sur son travail et qui n'avait aucune espèce de reconnaissance. Quand vous regardez les livres français traduits avant les années 1970, le nom du traducteur est caché sous le copyright, en tout petit. Quand il y est, il arrive qu'il n'y soit pas. Donc le travail de l'association, à partir de 1970, a visé à faire reconnaître le travail des traducteurs en tant que professionnel. Ça a été extrêmement long. On a eu la chance, en 1981, d'avoir l'arrivée de François Mitterrand, qui a mené
par l'intermédiaire de Jack Lang, une politique, j'en reparlerai lundi, dimanche, une politique extrêmement active dans le domaine des langues, et qui, en particulier, a jugé qu'il était urgent d'aider les traducteurs à s'installer en tant que métier. Et donc, par l'intermédiaire du Centre National du Livre, il a développé toute une politique qui vise à la professionnalisation du métier de traducteur. Il a créé des aides qui sont extrêmement importantes, ce sont plusieurs centaines de milliers d'euros par an, qui sont destinées non pas aux traducteurs, ou très peu, mais aux éditeurs, afin qu'ils puissent publier des traductions de bonne qualité et en grand nombre. Je vous ai dit, je crois que la somme, par exemple, pour les traductions qui vont vers le français, parce qu'il y en a aussi, il y a aussi des aides pour les traductions qui vont vers d'autres pays, ces sommes s'élèvent, je crois, à 650 000 euros par an, qui sont attribués aux éditeurs en fonction de l'intérêt des projets, mais aussi, et c'est là que les choses ont commencé à devenir très intéressantes, aussi en fonction de la qualité des traductions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une aide est attribuée en France, il y a un collège d'experts qui lit la traduction, qui l'examine, qui l'accepte, qui la refuse, ou qui demande qu'elle soit révisée sur tel ou tel point. Et donc toutes les traductions qui sont aidées ont été vues et la qualité a été attestée par le Centre National du Livre. C'est un premier point important. Le deuxième point important, c'est que le Centre National du Livre ne donne ses aides que si les contrats sont corrects, c'est-à-dire sont conformes aux normes de la profession et, c'est important, très important, si les tarifs sont conformes, c'est-à-dire si les traducteurs sont payés normalement. Alors ça s'est imposé au fil des années, les traducteurs sont présents dans toutes ces commissions, ils participent bien sûr beaucoup au comité d'experts, mais ils sont aussi dans les instances du Centre National du Livre, il y a un traducteur qui siège au CNL pour donner son point de vue. Et tout ça fait que petit à petit, on est arrivé d'abord à une amélioration sensible de la qualité des traductions, en forçant les éditeurs à faire attention à ne pas publier n'importe quoi, et en forçant les éditeurs aussi à ne pas faire n'importe quoi avec les traducteurs, c'est-à-dire à ne pas les payer des sommes dérisoires avec des mauvais contrats. Tout ça s'est fait en parallèle avec l'évolution au sein de la TLF. En 1981 aussi, on a signé le premier accord avec les éditeurs, qui s'appelle en français le code des usages, qui est une espèce de code de bonne manière qui permet aux traducteurs et aux éditeurs d'avoir des règles de bonne conduite qu'ils doivent respecter les uns et les autres pour pas qu'il y ait des problèmes. Ce code a été remanié à plusieurs reprises au fil des années. La dernière mouture est toute récente, je l'ai signée avec Antoine Gallimard en 2012. Et elle précise tout ce qui peut être précisé, par exemple, sur des choses aussi importantes que le droit du traducteur à avoir un regard sur la toute dernière version de la traduction, c'est-à-dire le moment où des correcteurs ont travaillé, et où on se retrouve parfois avec des livres où on a des erreurs énormes qui ont été apportées et qu'on n'a pas vues. Voilà. Ces accords ont structuré la profession. Je vous l'ai dit, nous sommes aujourd'hui 1100. Il y a à peu près le même nombre de traducteurs en France qui sont inscrits à la sécurité sociale, donc à l'assurance maladie, au titre de leur travail de traducteur. C'est-à-dire que l'essentiel de leurs revenus vient de ce travail. Ce sont à peu près les mêmes, pas exactement, mais à peu près. Disons qu'il y a à peu près un millier de traducteurs français qui travaillent de manière professionnelle en France sur la traduction, pour un nombre de traductions annuelles d'à peu près 8000 livres, un chiffre qui est difficile à déterminer parce qu'on compte ou on ne compte pas les voilà. Mais il y a à peu près un millier de personnes qui vivent de ce métier en France, ce qui est beaucoup, mais ce qui est quand même tout petit parce que nous sommes un tout petit bout de la très grande chaîne du livre qui, elle, compte beaucoup plus de personnes. Voilà. Alors, je regarde juste vers 30 secondes, si je ne parle pas trop longtemps. L'élément intéressant qui a accompagné cette procédure, c'est celle de la formation. Je pense que ça va vous intéresser ici. C'est surtout de ça que je voulais vous parler, en fait. L'idée qu'on puisse former des traducteurs est relativement récente en France. La première formation qui est apparue date de la fin des années 1970. Elle a été créée par des universitaires, mais qui étaient tous des universitaires traducteurs. C'était une formation de traduction de l'anglais vers le français,
Il y avait de très grands noms. Il y avait un monsieur qui s'appelait Michel Gresset, une dame qui a joué un rôle immense dans l'histoire de la traduction des 40 dernières années, qui s'appelle toujours Françoise Cartano. Une autre dame qui s'appelle Jacqueline Garneau, qui sont toujours présentes dans l'association, mais qui ont à cette époque joué un rôle fondateur. Et ils ont créé à l'époque le premier master, c'était pas un master, c'était un DESS, mais c'est l'équivalent d'un master, de traduction à l'université de Paris 7, dans un institut qui s'appelait l'Institut Charles V. Et en fait, le nom, ils ont déménagé depuis, mais le nom leur est pratiquement resté. Et leur idée, c'était qu'on pouvait former des traducteurs d'une autre manière qu'on forme des étudiants de langue. C'est-à-dire qu'on pouvait apporter autre chose, un autre enseignement, une autre forme d'enseignement. Et pour la première fois, l'idée que cet enseignement devait avoir plusieurs bras est apparue. C'est-à-dire qu'il fallait d'une part avoir effectivement un enseignement de langue, d'anglais, donc comment ne pas faire de contresens, comment lire un texte correctement, mais aussi comment savoir lire un texte tout court, qu'il soit étranger ou pas, apprendre à lire, avec la lecture du traducteur qu'on verra cet après-midi avec Flaubert. C'était un point extrêmement important. Mais ils ont aussi, pour la première fois, eu l'idée de développer une formation professionnelle. C'est-à-dire, ils ont fait venir des éditeurs pour parler du rôle des éditeurs, du travail des éditeurs, du rapport qu'ont les éditeurs avec la traduction, de ce qu'ils attendent, de ce qu'ils peuvent espérer. Ils ont fait venir des gens qui travaillent dans les métiers du livre, des correcteurs, etc. Et ils ont formé, quelques dizaines d'années maintenant, de très très grands traducteurs qui ont aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont eu des prix très importants en France de traduction, et qui ont vraiment fait de très très belles carrières, des carrières tout à fait importantes de traducteurs en France. Ça a été la première formation. Il y en a eu d'autres qui se sont créées après, dans d'autres langues. À Strasbourg, deux traductrices, Irène Kuhn et Sybille Müller, ont créé un autre master qui a été très important aussi, qui faisait de l'allemand, de l'anglais et du grec moderne. À Bordeaux, il y avait un master très important aussi qui fait toujours de l'anglais, mais qui à l'époque faisait aussi de l'allemand. Et puis on a vu, pour des raisons internes à l'université, une sorte de prolifération de petits masters, parce qu'on avait besoin, enfin les professeurs de langue ont eu à un moment besoin de nouveaux postes, parce qu'on avait supprimé certaines disciplines dans l'université. Donc on a créé des masters qui sont apparus avec des professeurs qui ne traduisaient pas. Donc des professeurs de langue qui n'étaient pas traducteurs, et ces masters continuent à exister, et il y en a qui ont fait des choses intéressantes, il y en a quand même beaucoup qui sont des pièges pour les étudiants, parce qu'on apprend très peu de choses, et on voit très très peu d'étudiants qui sortent de ces masters-là, et qui deviennent réellement traducteurs, et quand on pose la question, quand on fait remarquer aux responsables de ces masters, ils disent « mais c'est pas grave, ils vont travailler dans l'édition après, donc ça n'a aucune importance ». C'est grave, parce que, pour deux raisons, d'abord parce que ce ne sont pas de bonnes formations, premièrement, et ensuite parce qu'on fait croire à de jeunes étudiants qui vont pouvoir faire le métier qu'ils ont envie de faire, alors qu'on ne leur donne pas les clés qu'il faut. Ce qui est grave aussi, c'est que la plupart de ces formations la quasi-totalité, sont des formations de l'anglais vers le français. À l'heure actuelle, il y a à peu près 110 étudiants en master qui sont formés chaque année en France. Sur ces 110 étudiants, il y en a pratiquement 95 qui sont des traducteurs de l'anglais. Or, le marché de traduction de l'anglais en France représente 60% du marché, et pas 95%. Donc, ce que ça veut dire simplement que ces jeunes traducteurs ne trouvent pas de travail, et que les vieux traducteurs, je veux dire de mon âge, les traducteurs plus anciens, n'en trouvent plus. C'est vraiment, alors que dans les autres langues, on a des manques criants, on manque beaucoup de traducteurs de chinois en France, il y en a très très peu, et on en a vraiment besoin, il y a peu de traducteurs de russe, il y a des langues qui ont totalement disparu, les langues asiatiques, les langues indiennes par exemple. Il reste un bon noyau de traducteurs de japonais, mais dans d'autres langues plus rares, par exemple celle de l'Inde, on a pratiquement personne, en bengali, en tagore, en hindi, il y a très très peu de gens. Alors, ça change un petit peu parce que depuis 3 ans maintenant, l'Institut, l'INALCO, qui est en fait une langue orientale que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, qui a changé de nom stupidement d'ailleurs, je disais c'était très joli les langues orientales. Mais en France, on a besoin maintenant de mettre des lettres qui ne veulent plus rien dire partout.
mais Elinalco a ouvert un master de traduction sous la direction d'un traducteur du chinois et du coréen qui s'appelle Patrick Morus et d'une traductrice du bulgare qui s'appelle Marie Vrina Nikolov. Et eux se sont remis à former du coup des traducteurs de haut niveau dans le domaine des langues dites rares, c'est-à-dire en gros tout à partir de l'Europe centrale jusqu'au bout de l'Asie. Voilà. Petit à petit, ces formations, l'avancée des traducteurs ont aussi donné l'idée qu'on pouvait aller plus loin. Depuis très longtemps, les traducteurs travaillent eux-mêmes entre eux, organisent des ateliers en France, entre professionnels, pour échanger leur savoir, et c'était le plus souvent d'une manière informelle. En 1999, il y a un premier stage qui a été organisé, qui s'appelle le stage Goldschmidt, pour les jeunes traducteurs de l'allemand vers le français et du français vers l'allemand. C'est un stage qui se déroule sur plusieurs semaines, maintenant c'est 10 semaines, avec des binômes français-allemand, c'est-à-dire qu'un étudiant français et un étudiant allemand travaillent ensemble pendant 10 semaines sous la direction de traducteurs professionnels sur un projet de traduction dont le but est qu'à terme il soit publié. Et donc cela fait il y a d'une part un travail entre deux personnes et après un travail collectif avec tout le groupe. Ça a été une expérience très enrichissante que j'ai eu la chance moi d'animer une année et malheureusement j'ai jamais pu le refaire depuis, mais ça a été la base de l'idée d'une formation professionnelle destinée aux gens qui étaient au-delà du master, donc qui étaient déjà rentrés dans le métier. L'idée c'était de former des traducteurs qui avaient déjà publié un livre. Voilà. De ce stage Goldschmidt est né une autre série de stages qui s'appelle la Fabrique du Traducteur, qui est aussi à Arles, où se trouve le Centre international de traducteurs littéraires, qui a repris le même principe et qui forme pour sa part sur les langues rares. Donc ils font du chinois, ils font du japonais, ils font qu'est-ce qu'ils ont fait récemment, du turc, de l'hébreu, et qui forment sur le même principe. En 2012, le Centre national du livre a estimé qu'il fallait aller encore plus loin et m'a donc demandé de trouver une idée de formation qui à la fois s'adresse à un public de traducteurs professionnels, offre une formation professionnelle complète, privilégie les langues les plus rares et aboutisse à une formation extrêmement sérieuse de gens qui sont déjà dans le métier pour leur permettre d'y rester, ce qui, vous le savez tous, le plus difficile quand on est traducteur, c'est encore plus difficile que d'y rentrer. Et donc, ça a duré quelques semaines, enfin ça a été très très rapide, et au bout de ces quelques semaines, on a ouvert une première session de l'école de traduction littéraire, dont je vais vous parler un peu en détail maintenant, parce qu'elle fait finalement la synthèse pour l'instant de tout ce qui a été fait en France, et elle ouvre d'autres portes, et surtout elle a changé beaucoup de choses dans le rapport des traducteurs en France avec les éditeurs et avec leur métier. L'idée, c'était d'offrir une formation, je voulais dire, à des langues rares. Le problème en France, et ça doit être pareil ici, c'est que quand vous avez un traducteur d'azerbaïdjanais, de tamoul ou de malayalam à former, il est très difficile pendant 2 ans de faire venir un professeur spécialement pour cet élève, de le payer évidemment, et de le faire travailler. C'est le problème majeur qu'on a avec les langues rares. D'abord, il y a peu d'élèves, et ensuite, économiquement, il est impossible de les faire travailler comme ça. Donc ce que nous avons fait, l'idée que j'ai eue, qui vient des ateliers d'Arles, c'était de non plus d'apprendre la traduction en travaillant sur une langue, mais en travaillant sur les techniques de la traduction. Ça supposait 2 choses. D'abord qu'on ait de grands élèves, c'est-à-dire des gens qui avaient déjà une bonne expérience du métier. Non plus seulement un livre, mais déjà 4-5 années de travail dans la traduction pour pouvoir simplement comprendre ce qu'on allait leur enseigner. C'était le premier point. Le deuxième point, c'était qu'on les ferait travailler tous ensemble sur toutes les langues, y compris des langues qu'ils ne parleraient pas. Ils ont par exemple des ateliers avec Patrick Morus, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Jusqu'ici, on en est à la 4e promotion. Sur les 3 premières promotions, on n'avait aucun étudiant qui parlait le chinois, qui traduisait du chinois. On en a une là cette année. Mais sur les 3 premières promotions, ils ont eu à chaque fois 2 ateliers de 3 heures sur le chinois, le coréen et le sino-coréen, sur la poésie chinoise,
sur les techniques de traduction de la poésie chinoise, sur l'évolution de cette traduction. Et ça a été des ateliers absolument extraordinaires. Dans ces cas-là, nos professeurs travaillent sur des mots à mots, c'est-à-dire qu'ils donnent une traduction vraiment mais mot à mot, sans aucune structure grammaticale, et on travaille sur la compréhension du sens, sur la manière dont les choses peuvent se structurer pour former une traduction. Et par exemple, dans le cas là, de Patrick Morus, il avait apporté un mot à mot très simple et des exemples de traduction de poésie chinoise du XVIe siècle, si je me rappelle bien, qui avait été traduite en France à partir du XVIIIe siècle. Et donc, celle du XVIIIe siècle, c'était absolument extraordinaire, c'était de la poésie pré-romantique. Donc vous aviez toutes les caricatures de la Chine, c'est-à-dire les petites fleurs, les ruisseaux, etc. C'était charmant. On se serait cru dans la campagne française avec des jeunes filles jouant de la harpe. Et Patrick Morus nous a expliqué, voilà, le problème c'est que ces traductions-là n'ont absolument rien à voir avec ce qu'il y a dans le texte. C'est-à-dire les mots sont justes, mais ça n'a rien à voir. Et dans la dernière traduction qu'il nous a donnée, qu'il a faite avec les élèves, on s'est aperçu qu'en fait, ces poésies avaient des qualités qui étaient proches non pas de la poésie du XVIIIe ou du XIXe siècle romantique français, mais de la poésie contemporaine, qu'elles avaient des qualités au contraire d'une modernité incroyable. Ils sont arrivés comme ça. Je voulais juste donner un exemple qui vous concernait un petit peu, mais on fait ça dans toutes les langues. Donc on a du russe, du malayalam, de l'allemand bien sûr, de l'anglais, et on travaille technique par technique, c'est-à-dire qu'on peut par exemple travailler sur le problème du rythme. Je vais vous donner un deuxième exemple pour que vous compreniez. La langue française fonctionne, vous le savez tous, sur des rythmes qui sont des rythmes comptés, donc mettre corbeau sur son arbre perché, donner dans son bec un fromage, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Dans plein d'autres langues, y compris européennes, on ne travaille absolument pas comme ça. L'allemand, qui est une langue pourtant assez proche du français, travaille sur une métrique qui remonte à l'Antiquité grecque. Donc c'est ta-ta-ta-ta-ta-ta. Quand vous avez un texte, mais même un roman, qui utilise ce rythme-là, il faut apprendre à sentir le rythme, à l'entendre et à le reproduire en français. C'est ce travail-là que nous faisons dans tous les domaines, le rythme, la sonorité des textes, leur compréhension, comment aller chercher la réalité d'un texte derrière la simple réalité des mots, c'est ce qu'on va faire cet après-midi avec Flaubert, c'est-à-dire comment apprendre à lire littéralement entre les lignes, ce qui est, je pense, le travail principal du traducteur. Une fois qu'il a traduit les mots, il n'a rien fait du tout, il faut qu'il fasse passer ce qui n'y est pas, et ce que tout l'auteur a mis. Voilà. Ça, c'est la première partie, donc ce sont les après-midi de notre école. Ça se passe le samedi, un samedi sur deux, pour que les élèves qui ont un autre métier que la traduction au début, parce qu'on peut rarement en vivre en France au tout début, puissent venir en dehors de leurs heures de travail et suivre les promotions. Nous avons par promotion à peu près entre 15 et 20 élèves. Dans la nouvelle qui arrive, 20 élèves. On a par promotion une quinzaine de langues représentées. Sur la dernière, on a du chinois, du russe, de l'ukrainien, du croate, du bosniaque, du serbe, de l'allemand, de l'anglais. Voilà, enfin, on a absolument toutes les langues. Et ce sont des ateliers d'une richesse absolument extraordinaire. C'est-à-dire que les élèves, en travaillant sur des langues différentes, arrivent à chercher, avec des professionnels qui ont en général une trentaine d'années de métier, arrivent à trouver des points qui vont les aider simplement à avoir des techniques de traduction qu'ils vont pouvoir appliquer dans toutes les langues. Des trucs un peu qui vont leur permettre de travailler. On compare assez souvent nos ateliers à des ateliers de compagnons, vous savez, au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on a des vieux artisans qui viennent apprendre aux élèves à façonner un morceau de bois, à façonner un morceau de métal, parce qu'il y a un geste qu'on acquiert non pas en université, mais en le faisant pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, et c'est ça qu'on essaie de transmettre. En plus des cours de traduction, on a le matin des cours sur la profession. Donc on a des éditeurs qui viennent, on a une petite dizaine d'éditeurs par promotion de 2 ans qui viennent, et tous les métiers du livre, les correcteurs, les fabricants, les diffuseurs, les distributeurs, les attachés de presse, etc. On a des écrivains qui viennent. On a eu par exemple Jean-Philippe Toussaint qui est venu 2 fois parler de son expérience avec ses traducteurs. Un écrivain français que vous connaissez peut-être qui s'appelle Valérie Zanetti, qui a eu plusieurs grands prix pour son dernier livre en France. L'année prochaine, on devrait avoir un autre écrivain qui s'appelle Diane Meur, qui vient parler de leur rapport à la langue, qui sont parfois traducteurs, et qui ont des rapports avec la traduction très forts. Voilà.
Et puis, voilà. L'école fonctionne comme ça, elle fonctionne bien. On a réussi à avoir sur 45 élèves formés, on a eu en 5 ans maintenant 10 prix de traduction ou prix pour des livres traduits, ce qui est tout à fait exceptionnel. Le dernier ayant été attribué à Lucie Mode, qui est traductrice du chinois, la veille de son entrée à l'école. Donc, mais on l'a revendiqué quand même. Voilà. Donc c'est une école qui fonctionne très bien et surtout qui ouvre des portes nouvelles. Et c'est là que j'ai les plus grands espoirs. Les éditeurs ont été très impliqués dans la création de cette école. Ils ont réfléchi avec nous, ils nous ont fait part de ce dont eux avaient besoin. Et en fait, petit à petit, je crois que tout ce travail qui a été mené depuis 40 ans est en train de changer fondamentalement l'attitude du traducteur face à l'éditeur. Au lieu d'avoir une attitude de quelqu'un qui livre son travail pour qu'il soit jugé, c'est bon, c'est pas bon, il faut corriger, c'est pas assez français par exemple, ça c'est ce qu'on entendait beaucoup, les éditeurs maintenant attendent de nous d'abord qu'on intervienne dans la chaîne du livre. Les traducteurs, on joue un rôle par exemple essentiel maintenant en France dans le choix des livres. Il n'y a plus de grands éditeurs comme Ivan Nabokov qui parlait 12 langues, qui était capable de lire n'importe quoi du chinois au russe en passant par le malais et de choisir eux-mêmes les livres. Donc il faut des réseaux de traducteurs pour arriver à choisir les livres. Ce qui veut dire concrètement qu'une langue qui n'a plus de traducteur disparaît de la littérature en France. Donc notre rôle est devenu absolument essentiel et on le revendique. Le fait qu'on soit intégré dans ce monde de l'édition, qu'on ait une formation de vrais professionnels, c'est-à-dire connaissant tous les rouages, sachant par exemple très concrètement pourquoi ça peut être très grave d'avoir 2 semaines de retard sur une traduction, pourquoi ça peut mettre plein de gens dans des situations très compliquées. Le fait de connaître le fonctionnement des finances des éditeurs, quand ils veulent bien nous le dire, tout ça fait qu'on a une autorité nouvelle. Et cette autorité concerne aussi les textes, c'est-à-dire que le fait de travailler avec des anciens, le fait de développer, non pas des théories, mais une pratique fondée de la traduction, fait qu'on a aussi, vis-à-vis des éditeurs, une autorité nouvelle qui nous permet de dire, voilà, ma traduction est comme ça parce que le texte d'origine est comme ça. Et que les particularités de ce texte, il faut absolument le faire passer en français, même si ça choque. Tout ne peut pas passer à chaque fois. Mais on a fait des progrès absolument incroyables. Et il y a en France énormément de retraductions de textes anciens qui avaient été traduits à la française, c'est-à-dire que vous aviez par exemple des auteurs dadaïstes allemands des années 20 qui étaient traduits avec le style de Proust. Ce qui fait que ça devenait totalement incompréhensible. Il y a en particulier un livre qui s'appelle Berlin Alexanderplatz, qui est un très grand livre de Dublin, qui a été à l'époque massacré par l'éditeur et dont on vient de refaire une traduction très fidèle. Très fidèle, là encore, ça ne veut pas dire mot à mot. C'est respectant l'idée de l'auteur et la retranscrivant correctement en français. Voilà, tout ça fait que notre métier a considérablement évolué. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'en France, que la profession de traducteur est reconnue comme telle. Je pense que ça évoluera encore beaucoup dans les années qui viennent, dans le bon sens, et qu'il y a tout un travail à mener. Voilà, et on espère toujours, et c'est aussi pour ça que je suis très très heureux d'être ici, on espère toujours que ce mouvement concernera le plus de pays possible. Votre association est une excellente chose, il y en a d'autres dans d'autres pays qui se créent régulièrement, qui s'associent. On a en Europe par exemple maintenant un conseil européen des associations de traducteurs littéraires qui compte 29 membres, qui est une énorme machine qui fait beaucoup de choses dans le domaine de la culture pour défendre les intérêts des traducteurs. Voilà. Je vous l'ai dit, la conception de notre métier a totalement changé. On est en voie sur la route d'autres choses, ce qui sera à mon avis très intéressant, non seulement pour nous, mais aussi pour l'université, parce que je crois que maintenant, les traducteurs ont aussi quelque chose à apporter sur le regard qu'on peut avoir sur les langues, et sur l'enseignement des langues, et sur le rapport avec les langues étrangères. Pas une autorité universitaire, mais on a des choses à raconter dessus qui peuvent intéresser les universités. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près fait le tour. Je vous remercie beaucoup pour votre